La Confédération nationale des artisans du Bénin a entamé une tournée dans les 12 départements. L'objectif fixé est de recueillir les difficultés et besoins de tous les artisans du Bénin et de partager avec eux les différentes préoccupations. Ce mercredi 21 février 2024, les membres du bureau de la dite confédération étaient à la maison des jeunes d'Akrom-Iséreté où ils ont fait réunir tous les artisans du département de Loémé pour l'accomplissement de leur mission. On a commencé ce matin avec l'ensemble des membres du bureau de la Confédération nationale des artisans du Bénin. On était dans le plateau où nous avons rencontré l'ensemble des présidents ou bien des bureaux des 5 communes du plateau et l'ensemble des membres du bureau des unions. Donc ça s'est très bien passé. Le président de la Confédération, accompagné des élus consulaires, il a recueilli les difficultés des artisans et il a essayé quand même d'apporter quelques clarifications. Et après cela, nous sommes ici dans l'UEME, précisément dans la commune d'Akrom-Iséreté, où nous avons rencontré aussi l'ensemble des associations, l'ensemble des présidents collectifs et puis des unions de l'UEME. Une mission effectuée avec succès a laissé entendre le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin. L'objectif a été atteint parce que ça fait déjà environ 3 semaines que nous avons fait une tournée départementale au niveau de Septentrion où nous avons parcouru Atakwa-Donga, Bogwa-Libori et les collines. Et aujourd'hui, nous avons démarré par Ouémé Plateau. Un message est laissé à l'endroit de tous les artisans du département de l'Ouémé qui ont de près ou de loin pris part à cette séance d'échange. Vous savez, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est nous qui formons les apprentis. Et on peut reconnaître l'apprenti à travers la carte d'apprentissage. Et c'est un outil qui est nécessaire à l'apprenti. Et si on, avec la carte, on peut reconnaître que telle personne est apprentie pour telle durée d'année. Donc nous trouvons que c'est nécessaire. Je remercie vivement tous ces artisans qui se sont déplacés massivement pour pouvoir venir écouter. Lorsque vous avez des responsables devant vous, qu'on vous appelle, c'est de répondre à l'appel et de voir ensemble ce que nous avons fait. Donc nous sommes très contents de les voir, de voir tous les artisans, tous les acteurs du département de l'UEME unis comme ça, donc ça nous va droit au cœur. Faut-il le préciser, la Confédération nationale des artisans du Bénin poursuit sa tournée ce vendredi 23 février 2024 dans le département Mono-Koufo afin d'arriver à la satisfaction de tous les artisans du Bénin.